Hélène, la guérison est-elle l'harmonie de la matérialité avec la spiritualité? Est-ce que je peux savoir ce que tu entends par la guérison? Résoudre ces maux? C'est pas nécessairement la guérison, par exemple, d'une maladie. Aussi, mais pas que. Alors, de toute façon, la guérison, si elle existe, entraîne nécessairement, bien sûr, une bonne conjonction du physique et du spirituel. Mais quand je te dis si elle existe, c'est que je ne sais pas si la guérison existe. Je pense qu'elle laisse toujours... La guérison va... c'est quand même une des expériences les plus intéressantes qui attendent l'être humain. Hein, puisque elle ne peut se produire, se façonner, que d'une part dans un mouvement d'éloignement ou d'oblitération du mal, et d'autre part dans son inscription sous la forme d'une trace ou d'une cicatrice. Bon. Alors on peut imaginer qu'il y ait guérison, puisque le mot existe, mais on guérit du symptôme. On peut guérir d'un eczéma, d'une maladie grave, d'une peine d'amour. Mais si je dis peine d'amour, par exemple, c'est pour dire que ça laisse des traces. Voilà. Alors, harmonie, je ne sais pas si le mot... la guérison est peut-être une façon justement de raccorder, de faire lien, d'apaiser, mais elle est toujours accompagnée justement d'une réserve. Hein. Et c'est la trace. La même. Donc, probablement qu'il peut s'aguerrir avec le moyen où nous échangeons des expériences. Oui, je pense que de toute façon, tout événement qui nous brûle un petit peu, une leçon. Hein, on répond plus, mais finalement, la maturité, la humanité de l'être humain passe par la traversée des épreuves. Donc oui, la vie est faite d'épreuves qui, par défaut, nous laissent des cicatrices. Je ne sais pas si c'est par défaut, hein, mais qu'elle laisse des cicatrices, absolument. À la fin, on est tout couturé de cicatrices. Et je dirais même pour rire, mais quand même, que notre apparence physique, qui est due à une altération, à une diminution, c'est-à-dire le fait que nous vieillissons visiblement, que nos visages portent des traces qu'on va appeler des rides, etc., etc. Tout ça, c'est absolument l'écriture de la vie. Cette écriture, c'est une écriture assez rude, mais qui ne manque pas, bien sûr, de grandeur, de beauté. Hein. Mais, voilà. Et es-tu d'accord avec la phrase qui dit qu'après 40 ans, on a le visage qu'on mérite? Moi, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas. D'abord parce que ça n'est plus de notre temps, si je peux dire. Ne serait-ce que parce que peut-être qu'on pouvait dire ça il y a 100 ans, mais quand à 40 ans, on atteignait en fait déjà hein, le commencement de la fin de la vie. Mais maintenant, à 40 ans, à mon avis, on a l'air d'avoir les 20 ans que, enfin, d'autrefois. La vie a totalement changé. Et ensuite, comme tu le sais, on corrige sans arrêt.
Et puis, je pense que les gens vont de plus en plus vers le masque. Vers le masque, comprends-moi, c'est-à-dire qu'à la place de visage, on se fait un masque. Pour la plupart. Alors, évidemment, tu as des tas d'êtres humains qui, au contraire, ont envie de laisser apparaître ce qui les traverse, leur histoire. Et à ce moment-là, tu as des visages qui restent. Ça, c'est là, au fond, ce que je dis, c'est ça devrait se distribuer plutôt entre Occident et Extrême-Orient ou Orient, et entre pays surdéveloppés et pays sous-développés. Dans les pays développés, on corrige sans arrêt. Dans les pays encore peu économiquement développés, les gens ont les visages que la vie leur fait. Leur pain, leur... bon. Mais c'est un énoncé qu'il faut arriver à contextualiser pour qu'il ait un sens. Il faut le dater, il faut... Voilà. Alors, pourquoi, par exemple, souvent, une cicatrice sur un visage tend à nous faire peur au lieu de nous faire de la peine? Mais c'est pas nécessairement le cas, je crois. Quand on sait que c'est une cicatrice cruelle, c'est-à-dire qu'il provient de... d'un acte de violence ou de guerre, comme ça arrive très souvent. Nous en avons des exemples hein, dans notre entourage. Nous avons des Khmers qui ont des cicatrices, et qui sont des cicatrices qui proviennent d'un coup de hache ou de couteau. Enfin, c'est bon. Alors, là, je pense que ça fait peur, parce que tout simplement, c'est comme un récit, et ce récit reproduit la scène de violence extraordinaire. Sinon, je pense qu'une cicatrice, c'est comme un sourcil ou un sourire. Non, c'est quelque chose qui s'inscrit comme ça, comme un trait de dessin et qui appartient à l'histoire d'un visage. Enfin, en tout cas, moi, c'est le sentiment que ça me cause. Souvent. Il peut y avoir des cicatrices qui disent la douleur, mais d'autres qui disent simplement un traçage accidentel, une petite histoire. On voit par exemple chez les militaires qu'ils sont très fiers et s'échangent leurs cicatrices comme des médailles quasiment. C'est un autre monde, je ne suis pas sûre que ce soit le nôtre. Hein. Je veux dire que le monde des professionnels de la guerre est un autre monde. Nous ne sommes pas des professionnels de la guerre, nous devrions être des professionnels de la paix. Peux-tu revenir sur le masque? Penses-tu que le masque est un moyen de cacher son incapacité à guérir? Peut-être, c'est une bonne idée, mais encore une fois, je te dis, je ne crois pas à la guérison. Hein. Je crois simplement à ce qu'on appellerait en anglais « coming to terms », c'est-à-dire « s'accommoder de », c'est-à-dire trouver une forme de compromis. Hein. Le masque, non, le masque c'est une façon bien sûr, toujours, pas, je ne parle pas du masque de théâtre, hein, qui est une façon de se transfigurer pour être un autre. Tout à l'heure quand je parlais de masque, c'est le masque que nous pourrions, toi, moi, un autre, avoir sécrété, comme ça, comme une sorte bon, de visage relativement impassible et indéchiffrable. Et toujours, évidemment, il est là pour dissimuler une défaillance. Je dirais un manque de courage, un besoin de s'éloigner de la lecture de l'autre, que l'autre peut faire de moi. Est-ce que ce masque peut être un peu comme un logo de cette spiritualité qui manque avec cette matérialité qui apparaît? Si tu veux, c'est ta façon de le dire. C'est une traduction comme une autre. Mais... tu vois, par exemple, tous les hommes politiques ont un masque. Tu comprends ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'est pas qu'ils se mettent un masque, non. Mais ils ont des visages qui sont des visages immobilisés, parfois, afin justement de donner le change sur ce qu'ils sont vraiment, c'est-à-dire des bêtes cruelles. Ou bien ils ont des visages, pardon, des masques qui sont des masques de guignol. Ou des masques balinais qui au contraire, expriment, voilà, représentent
des passions qui sont des passions affectées, des simulacres. Mais ça se voit toujours. C'est très flagrant, en fait. Ah oui.